Utilisation du lave-vaisselle, c'est super simple. On appuie ici pour le mettre en route. On choisit son programme. Voilà, rien d'extraordinaire. Donc là, ça veut dire que sur 65 degrés, il va mettre 2h10 à tourner. Et si vous appuyez sur H, ça fait un départ différé. Donc là, il est 10h30. Donc si j'appuie ici, il va commencer dans 1 heure. Et voilà, je peux lui dire de commencer jusqu'à 8h, jusqu'à je crois 12h ou 24h de plus. Et si je veux faire un reset parce que je me suis trompé, il faut rester appuyé 3 secondes sur Start. Voilà, il se met à 0. Ici, c'est un bouton 1,5, donc c'est-à-dire que si votre lave-vaisselle n'est pas chargé beaucoup, vous appuyez ici et ça permet de faire un lavage plus rapide. Et là, vous avez trois symboles. Là, c'est quand il y a un problème d'alimentation en eau. Là, c'est quand il manque du sel. Et ça, c'est quand il manque du liquide lave. Liquide lave-vaisselle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais du liquide rince lave-vaisselle, me semble-t-il. Voilà, et à l'intérieur, rien d'extraordinaire. Vous allez avoir ici un endroit pour mettre votre pastille. Ici, c'est là où on met le rince liquide à rince-vaisselle. Et là-bas dessous, vous aurez, je vais retirer le panier. Ici, on va avoir là où on met le sel, hein, le sel pour le lave-vaisselle. Et ici, vous allez avoir le filtre, c'est assez facile à démonter. Et là, vous avez le filtre qui se défait en deux parties, qu'il faut rincer régulièrement. Voilà.